prochain projet, on va apprendre à faire des queues d'aronde à la main avec une méthode très simple, mais très efficace. Vous allez voir qu'on va obtenir des résultats professionnels très rapidement. Ça va demander un peu de pratique, mais assez rapidement, on est capable d'obtenir des résultats. Un des avantages de les faire à la main, c'est qu'on a plein contrôle sur la forme de nos queues d'aronde. On peut en faire de différents degrés, à différents espaces entre chacun. Donc, on peut se servir de cet assemblage-là pour faire la décoration en même temps de nos boîtes ou de nos assemblages. En plus d'être esthétique, c'est vraiment un assemblage là, qui est très, très résistant aussi. Donc, en utilisant la méthode que je vous ai proposée à partir de guides à onglets, puis des blocs d'appui, des plateaux de référence, on est en mesure d'avoir un résultat professionnel assez rapidement. Puis, en utilisant aussi les stencils de référence pour les différents modèles de queue d'aronde, les plus courants, ça vous aide énormément aussi à obtenir un résultat rapide, là. Puis, à l'usage, vous pouvez faire votre apprentissage. Il existe beaucoup d'informations, c'est très sophistiqué. La façon de calculer les différentes queues d'aronde selon les styles, selon les modèles. Mais avec les stencils, on a déjà un résultat là, qui est très, très satisfaisant. Puis, on peut partir avec ça. Puis, à l'usage, là, développer des connaissances beaucoup plus poussées. Puis, on développe nos propres modèles. Puis, à un moment donné, bien, on fait avec ce qu'on aime le plus. Puis, on est très satisfait de notre travail à ce moment-là. Fait que je vous souhaite beaucoup de plaisir, puis beaucoup de satisfaction dans la réalisation de ces travaux-là. C'est toujours valorisant de faire des travaux manuels, puis de réussir avec un degré de précision de ce niveau-là ici. Fait que c'est valorisant, puis les gens autour de vous là, vont être très fiers de votre travail aussi, là. À travers nos cours en ligne, vous pouvez apprendre plusieurs techniques dans le travail du bois, que ce soit pour vous initier ou apprendre à faire des coupes de précision, ou apprendre les techniques d'assemblage modernes ou traditionnelles, nos cours sont accessibles à tous.